Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Il y a une différence entre un obstacle et une étape de vie. Dans la vie, il y a des étapes, des passages, des moments où on franchit une porte. Et dans la vie, il y a aussi des obstacles. La différence entre un obstacle et une étape de vie, c'est que, en général, on le ressent au fond de soi. Bien sûr, pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Ça veut dire que face à un obstacle, on a un sentiment d'être coincé. Et comme je le disais hier dans un live qui s'appelle Fous-toi la paix, ce sentiment d'être coincé ne doit pas amener à mille questions. Si on est coincé, eh bien, on est coincé, ça se débloquera bien à un moment ou à un autre. Alors que une étape de vie, c'est plutôt un passage. On sent que quelque chose est occupé petit à petit à se détacher de nous, ou que nous sommes petit à petit occupés à se détacher de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. L'étape, on peut la symboliser comme une sorte de pont. On franchit le pont d'une rive à l'autre. L'obstacle, on va plutôt le symboliser comme une sorte de mur. Mais petite astuce, dans tous les murs, il y a moyen soit de créer une ouverture, soit d'escalader le mur, soit encore à un endroit ou à un autre, une porte ou une fenêtre par laquelle on peut passer.